Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va tout simplement jouer à Clash Royale. On va se faire trois petites attaques avec ce deck-là, le même que d'habitude, ça fait toujours plaisir. Allez, c'est parti. Et c'est parti les gars, on va tout simplement envoyer les hordes de... Non, les gargouilles, les gargouilles, ouais. C'est pas les hordes de gargouilles parce que sinon ça serait pas cher, dis donc, pour une horde de gargouilles. Mais on va envoyer les gargouilles et je pense qu'on va laisser ça comme ça, hein. Ça fait toujours... Non, non, on va envoyer Valkyrie, de toute façon on est obligé parce que sinon... Hein... Quoique, non, on n'aurait pas été obligé. Ouais, non, on n'aurait pas été. Mais bon, je préfère, comme ça on en est sûr. Voilà, donc hop, on envoie le petit géant. On envoie le petit ballon. Et on prépare les flèches parce qu'on sait très bien qu'il a une horde de gargouilles, comme tout le monde. J'ai dit comme tout le monde. Et bah ça fait plaisir. Et bah voilà, c'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime. Hein. Voilà, on les mange même. Pour ceux qui ont compris la blague, c'est ça qu'on aime, on les mange et tout. Ah, je me suis mis aux blagues d'un coup, ouais, je me suis dit, mais si on se mettait aux blagues, dis donc, ça pourrait être marrant. Bon, ouais, j'en sors une tous les 4 ans, mais ça, c'est pas très grave. Voilà, hein, je pense que c'est tant mieux, voilà, parce que vu mon humour. Bon, du coup, ce qu'on va faire, eh ben, on va rien faire pour l'instant. Quoique ça va. Ouais, franchement, là, on est dans le caca, mais total. Total gaz. Bon alors, non franchement, je vous assure que je sais pas comment je vais faire. Et il va me... Arrêtez avec votre deck spawner, c'est chiant, c'est énervant. Hein, quand on n'a pas de défense, c'est chiant. Bon, on va quand même essayer de défendre un max. Et on va lui casser sa tour, on va se venger de ce deck spawner. Moi quand je vois des deck spawners, j'ai qu'une chose, j'ai envie de faire qu'une chose, c'est de le défoncer. Tu vois, j'ai envie de m'énerver sur lui, de le défoncer à la gueule. Comme ça, tu vois. Bon, c'est un détail. Bon. Allez, allez, tue-moi ça là. Voilà. Non, mais franchement, arrêtez là. Mais arrête. Non, mais non, tu vas me. Oh, tu vas. Et bah voilà, bah je suis mort. Alors là, mais je suis mort, les gars. Je suis mort. J'ai rien pour défendre. Arrête tes conneries, gros. Oui, yes. Oh, mais. Allez là. Faut que j'arrive à envoyer mes troupes là. Allez, on va y arriver. Mais non, mais il envoie ça et tout. Mais c'est mort. Mais c'est mort. Mais j'y arriverai jamais, gros. Vas-y, y a une chose à faire, c'est défendre. J'ai qu'une chose à faire, c'est défendre, défendre, défendre. Allez, allez, allez. Non, mais c'est mort, j'y arriverai jamais. Et vas-y, mais c'est sérieux, arrêtez avec votre deck spawner là. Moi, je suis avec des vieux ballons, golems, enfin, je sais plus comment ça s'appelle là. Enfin bon, voilà, moi j'en pleure, tu vois. Moi, après, je fais des cauchemars la nuit, tu vois, je suis comme ça là. Non, ça m'énerve, toi. Vas-y, tu me casses les couilles. Non, mais franchement, et gars, oh. Très bon jeu d'acteur d'ailleurs. Ah ouais, non, mais attends, je suis comme ça moi. Voilà donc. Ça me saoule. Ah ouais, clairement ça me saoule. Ah, non mais j'aime pas perdre. Non, je suis comme ça. Moi ouais, je te le dis direct. Non mais c'est juste que bon voilà. Après je descends de trophée. Après je descends d'arène. C'est chiant, c'est énervant. Ça fout le seum. Voilà. Bon alors juste comme ça. On va se calmer parce que retour au sérieux parce que bon c'est bien drôle 2 secondes mais après c'est chiant. Voilà donc on s'est fait une petite attaque tranquille. Je pense que je vais la laisser. Hein, parce que bon voilà. Il y a des fois ça fait plaisir quand même de perdre. Oh, ok on gagne. Mais wow, il y a un moment. On veut voir un peu la vraie nature du personnage, tu vois, la nullité qui est réelle au personnage, tu vois. On veut pas voir son masque là qui est tout beau, tout... Non, on veut voir ses boutons qu'il y a sur sa gueule, tu vois. Bon. Enfin bon, donc moi... Allez, c'est parti, je vais là-dessus pour une deuxième attaque, c'est parti. Et c'est parti pour une deuxième attaque, les gars. Cette fois-ci, on va pas se laisser faire, c'est moi qui te le dis. Et là, imagine, il a un deck-spawner, une tour de l'enfer, tout ce qu'il faut pour me contrer. Imagine. Oh, je pète un câble. Bon, ouais, pour l'instant, on n'a pas trop de troupes. Ouais, on n'a pas trop de... Ah, on n'a pas les troupes pour attaquer, voilà. Oh, j'ai eu du mal à le sortir, celui-là. Hein. On n'a pas de troupes pour attaquer, malheureusement. Oh, il défend pas. Dites-moi qu'il défend pas. Yes, il défend pas. Ouais, ça fait plaisir, franchement. Regardez-moi ça, une tour comme ça. Mais oh, j'adore les tours qui sont faciles à prendre comme ça. Le mec, tu vois, il s'y attend pas que ça fasse autant de dégâts. Et puis, bam, dans sa tête. C'est déjà bien. Ah, c'est déjà bien. Bon, ce qu'on va faire, c'est que tout simplement, on va envoyer notre petit géant. Ouais, ouais, il est petit, hein. Il est tout petit. Ah ouais, je t'assure, moi, je mets mon pouce. Il est genre grand comme mon pouce. Donc je suis désolé mais il est tout petit hein. Donc là non, désolé d'avoir un petit peu énervé comme ça hein. Ouais donc juste comme ça on va peut-être envoyer les flèches, non. Vas-y mais oh mais préviens quand t'envoies pas tes hordes de gargouilles gros. Eh bah si tu les envoies au dernier moment. Ah ça va on fait max de dégâts. Bah ouais mais car... Eh je m'attendais pas à ça. Eh mais je suis en mode excité ce soir, je suis vraiment désolé mais je sais pas si c'est énervant tu vois bah... Je me mets à votre place, tu vois. T'imagines à ta place, là, il y a l'autre. Il rigole dans tous les sens pour rien, là. Il dit de la merde. Waouh, tais-toi. Tu vois, je continue en plus. C'est ça le pire, tu vois. Je continue. J'arrive pas à m'arrêter.
Bon, le troisième attaque, je vous assure, on va le faire tranquille, ok? On va pas non plus trop... Enfin bon, voilà, donc on commence, tu vois, on commence. Allez, c'est parti. Donc du coup, voilà, on s'est fait une petite attaque là. Le truc, c'est que franchement, tu vois, normalement, je me disais, tiens, je vais envoyer les flèches parce qu'il va envoyer une horde de gargouilles, tu vois? Ça me paraît logique. Il les a, il va les envoyer pour défendre le ballon, tout ça, voilà. Ça me paraît logique. Seulement, il l'a pas fait. Et donc, du coup, bah, j'aurais pu envoyer le sort de rage à la place, tu vois. Donc, du coup, ça m'a fait un peu perdre de temps. Mais finalement, on a gagné, donc on s'en fout un peu. Donc, moi, je vous dis à tout de suite pour une troisième attaque. C'est parti. C'est parti, les gars, pour une troisième attaque. Enfin, je l'espère. À part si je perds, bien entendu. On va quand même se calmer un petit peu, voilà. Donc, on y va doucement, tranquille. Voilà, en espérant qu'on ait le sort de rage. Carrément, on a le sort de rage. Mais ça fait plaisir, voilà. Hein? Voilà, ça fait plaisir. Attends, on va juste prendre des flèches au cas où qu'il ait une horde de gargouille. Il a pas de horde de gargouille. Bon, en espérant... Eh bah, s'il en a une. Eh, ça m'énerve. Arrêtez de mettre votre horde de gargouille au dernier moment. Ouais, et mon sort de rage qui a servi à rien parce qu'au final, ils ont pas tiré. Voilà. Bon, c'est pas très grave. On va envoyer quand même les flèches. Voilà, au cas où. Hop, voilà. Il fait quand même un max de dégâts, là. Hein. Non, j'avoue que là... ça va. On va dire que ça va. Ouais, bon, ouais, les gens qui sortent la horde de gargouille au dernier moment, au moment où je change pour mettre mon sort de rage, c'est un peu chiant, tu vois. Tu peux pas le mettre avant, hein. Bon, fais comme tout le monde, mets-le avant, hein. Voilà, parce que sinon c'est chiant. Non, mais bon, après, moi je dis ça comme ça, hein. Voilà, je dis ça, je dis rien, mais je le dis quand même. Hop là, bim. Ah, qui c'est qui dit ça? Personne. Je pars en couille, moi, je pars en couille. Ouais, non, franchement, faut qu'on arrête. Non, c'est parce que je suis fatigué, enfin, j'ai eu une dure journée, voilà, bon. Casser mon écran. Bon, voilà, j'ai cassé mon écran, là. C'est pas très grave, hein, ça arrive, voilà. Sinon, c'était un vieux écran de merde, bon, voilà. Ce qu'on va faire, on va envoyer la horde de gargouille. Bon, de toute façon, j'ai rien d'autre à faire. On va envoyer ça. Bah, du coup, on va envoyer ça, parce qu'on a que ça à faire. De toute façon, apparemment, il veut pas nous donner notre géant. Et, oh, franchement, on fait des dégâts. Ah, ça fait plaisir, ça. Oh là là. Oh, mais c'est même pas des dégâts qu'on a fait, là. C'est des... C'est Hiroshima qu'on a fait, là. Hey. Ça, ça fait plaisir. Ça, c'est la couloisse attitude. Le mec est un peu chelou. C'est où, là? Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Bon. En attendant, j'ai gravement l'avantage. Mais non, pas du tout. Il est à 218 sur ta tour. T'as pas vraiment l'avantage, hein. Hey, t'inquiète. Mais attends, t'inquiète. Moi, je prévois tout, moi. J'ai l'avantage, tu vois. Pourquoi? Parce que, certes, on va lui casser sa tour-là. À part s'il me casse le ballon avant. Yes! Il l'a pas fait. Bim! Qu'est-ce que tu vas faire? Ah, mais non, mais. Bon, je m'en fous, je vais casser sa tour quand même. Non, mais voilà. Bon. Oh, oh! Mais carrément! J'adore les troupes qui partent au dernier moment pour rien, tu sais. Non, c'est hallucinant. Je sais pas comment c'est possible. Tu vois, ils sont en train de tuer. Ils sont en train de tuer le. Comment ça s'appelle? Ils sont en train de tuer la troupe, voilà, on va dire ça comme ça. Et puis là, d'un coup, bah, ils se barrent alors qu'ils ont pas fini de tuer la troupe. Tu sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, mais ils le font. Voilà, donc là, il vient de lancer ses hordes de gargouilles. Je peux te le dire que là, grâce à ça, mon petit, même pas je vais hésiter, direct, j'envoie le sort de rage, mon petit. Qu'est-ce que tu vas faire, là? Ah ouais, ça, t'avais pas prédit, ça, hein? Et ben, le fait d'avoir envoyé tes hordes de gargouilles, ça va te faire perdre, mon petit. Ouais, bon, peut-être pas tant que ça non plus, mais c'est déjà bien. Et franchement, c'est déjà bien. Donc, ce qu'on va faire, bah, je sais pas, du coup. Comment je vais faire ça, moi? Bon, on va faire ça. Allez. Allez, max de défense, s'il vous plaît. J'ai pas envie de perdre. Ça serait un peu bête quand même. Parce que je suis plutôt bien parti. Voilà, tu vas pas quand même. Oh, mais pourquoi j'ai envoyé le géant ici, moi? Ouais. C'est pas une très bonne idée, ça. Hein. C'est pas une très. Ouais, ça va. On va dire que ça va. Ce que je vais faire, c'est que je vais attendre pour le géant. On va envoyer ça. On va envoyer ça. Voilà, parce que. Oula. Par contre, non. Allez, voilà. Je sais pas quoi faire, les gars. Je sais pas quoi faire. Aidez-moi. Aidez-moi, s'il vous plaît, je vais perdre. Je vais perdre. Non, regardez-moi ça, je vais perdre, les gars, je vais perdre. Non, allez. Oui, allez, vas-y, attaque. Ah. Yes. Ça fait plaisir. Elle vaut mieux gueuler quand on gagne que quand on perd. Ah ouais, non, c'est moi qui te dis. Ah si, je te jure. Ah ouais, non, mais bon. Oh, ah, mais du coup, j'ai deux coffres d'or. Et ben voilà, prochain pack opening, deux coffres d'or, les gars. Pas le prochain, pas suite de demain. Suite demain, c'est une grosse surprise. Oh, mais suite de demain, les gars. Mais c'est une grosse surprise, mais c'est un truc de ouf. Vous allez. C'est un pack opening de ouf. J'ai jamais vu un pack opening aussi oufissime de ma vie. Vous allez, oh mais ouf. Rien qu'au titre, vous allez voir le titre, vous allez dire what. J'ai trop envie de voir la vidéo, gros. Bon, enfin j'espère en tout cas. Voilà, donc du coup donc pas le proche, pas le pack opening, le pack opening de demain, le pack opening dans 3 jours, ok? Voilà. Donc du coup, on a fini ça. Ce que je vais faire,
c'est que tout simplement, je vais vous quitter là. On s'est fait trois petites attaques. Voilà, donc c'était plutôt sympathique ces attaques. Alors si tu vois, si je vais sur ici là, si je clique ici, je vous spoil le pack opening de demain. Allez, donc vaut mieux pas. Ah, vaut mieux pas. Ah non, vaut mieux pas. Voilà, en attendant, et ben je vais vous laisser sur ce, voilà. Donc, du coup, moi je vous dis à une prochaine vidéo, du ciao. Et puis n'oubliez pas le pack opening de demain. Je peux vous le dire que il vaut le coup. Mais il vaut le coup. J'ai jamais fait un aussi bon pack opening. Peut-être pas au niveau du commentary, mais au niveau du... Enfin, je sais pas comment dire. Enfin, c'est pas qu'il y a. On s'en fout, voilà. C'est juste qu'il est plutôt pas mal. Enfin bon. Donc voilà, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Je vous dis ciao. Et puis n'oubliez pas. Ah, tu te demandes ce que je vais dire là. Hein. Si tu me connais, tu sais ce que je vais dire. Mais si tu me connais pas, tu dis oh, encore un mec qui va dire hey, n'oubliez pas de machin, machin. Qui a cru quoi? Ben non, mec. Attends, faut me connaître. Jamais. Allez, c'est parti. Je vous dis à une prochaine vidéo. Je vous dis ciao. Et puis n'oubliez pas. Restez cool.